Et donc, vidéo suivante, on va voir Kerrigan, tout ça. On vient juste de quitter la vidéo précédente. Rien n'a bougé. On est toujours prêt. On va lancer cette mission, le cycle éternel. Trouver l'Exelnaga. Le temple est ouvert, etc. Et encore un superbe artwork, hein, comme d'habitude, pour le début de la mission. Normal. Et donc ici, on va être seul avec Artanis. Ok. C'est parti. Oh, nice. Ah, cinématique. Donc il s'éclaire avec la lame de Zeratul. Normal. Ah, oh, ça c'est Kerrigan, hein, qui est en plein milieu. Ah, tellement. Qui est contrôle, qui renaît, c'est ça, c'est tout. Ah, un hybride. Salut Kerrigan. Elle est pas contente, Artanis, hein. D'accord, il rigole pas lui. Artanis, c'est le moment d'aider, hein. Oh, elle prend tellement cher. Mec, mec. Artanis. Voilà, bien. Lol. Pendant ce temps, la Kerrigan se regène. Oh! Ça, c'est du kill. Le destin semble vouloir nous rassembler. Lol. Nous devrions cesser de le provoquer. Ce n'est pas le destin, c'est la chance. N'empêche, c'est pas mal du tout le système d'amélioration. En fait, là, avec Heroes of the Storm, on améliorait. Je repense à ça parce qu'avec Heroes of the Storm, on améliorait Kerrigan. Donc, le temple de l'unification, tout ça. Donc, en fait, avec Heroes of the Storm, on améliorait les. Tais-toi 2 secondes. Bon, tant pis. On améliorait Kerrigan. Et là, en fait, on améliorait les Protoss. Et c'est bien parce que c'est dans la philosophie des Protoss. D'être unis en fait, et donc t'améliores la globalité des Protoss et pas juste Kerrigan qui est la reine des lames, tout ça. Vous avez toute mon attention. Donc on doit tuer 20 unités avec générer des chancres et sprint éclair. Infliger 7500 points de dégâts. Notre destinée nous attend. Ok, on va d'abord continuer à tuer les. Enfin, on va d'abord commencer à tuer les unités. Non. Avez-vous senti? Une grande puissance s'éveille dans cet assemblage. Non, reste pas là-dedans. Alors toi tu fais le cul là-dessus. Et toi tu fais des chancres là-dedans. Oh putain.
Ok. Ouais. Ouais, d'accord. Récupérons les reliques normales. Ok, encore deux reliques. C'est quoi ça? Affiche 300 points de dégâts à une unité. Ok, d'accord. Ma quête se poursuit. Comment tu veux tuer 20 unités ici, là-dedans, quoi? Il n'y a rien. Il n'y a aucune. Non, parce que. C'est pas qu'il n'y a presque aucune unité, hein, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Disait sprint éclair. D'accord. Oh. Ah bon? Ah d'accord, j'ai compris comment tuer les 20 unités. Bon bah c'est trop tard à mon avis. En fait, il faut faire pop les trucs, et quand ils pop, on utilise la capacité de Kerrigan. Bon, ça c'est la première chambre de révélation. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Mais dis pas que c'est la fin de la mission, quoi. Ce serait une vaste blague, quoi. Oh. Voilà. Il accumule de la puissance. Il ne devrait plus tarder à se réactiver. Ouais, ouais. Oh merde. Des amis à toi? Non. Loin de là. On dirait que les troupes d'Amon ont trouvé un moyen de parvenir jusqu'au temple. Nous devons les éliminer. On s'est apprécié, Artanis. D'accord. Alors toi, tu vas me faire le E ici, paf. Le changement, c'est maintenant, c'est ça qui. Non, me dis pas qu'elle va dire ça, quoi. Allez, on les chope, hop. Ouh. Chaud, la micro-gestion, là. Ouhou. Je vois maintenant. Exemlak a été les premiers issus du vide. Et puis il y a eu les Protoss. De cultiver la vie et de perpétuer le cycle éternel. C'est les Zerg, ça, non? Ah non. C'est cheaté! Sans la clé est venu jusqu'ici. Donc ça c'est les Terran et les Protoss qui s'unissent pour recréer la clé, donc ce qu'on a fait là maintenant. Donc cool. Possède par le Kala, mais il n'a aucune forme physique. Ouais, donc c'est trop la merde. On n'est pas encore arrivé. Genre, allez, ta gueule, arrête de raconter n'importe quoi. Nous vaincrons. Oui. Oh. C'est quoi ça? Il semblerait que vous aviez raison. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Allez, ça se passe bien. Fou. Je dirige avec honneur. Ouais, casse-toi quand même. Oh, vas-y, kite. Kite, kite, kite. Et maintenant, bending. Maintenant, allez, nice. En fait, c'est trop cheaté. Je vais faire le haut fait ici en fait. Ouais, ça va, on sait que t'es l'essaim. Et là, bending. Bim, 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 hop, hop, et hop. Voilà. Donc ici, on n'a pas le... Là, il n'y a pas le... Ah ouais, non, le passage s'est effondré ici, du coup, on doit trouver un autre. Hop, je remets ça. On en est à combien? C'est chiant qu'on puisse pas voir à combien on en est de tuer. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Point de sauvegarde atteint. Ok, tout va bien. Ah, peut-être que... Non, ok, y a rien du tout. On va attendre que les... Oh putain. Ok, ça c'est fait. En fait, je vais faire un de au fait ici, donc détruire les 20 unités. A mon avis, je les ai eues. Hein. Je suis à combien? À 76 kills, ouais, à mon avis. Allez, on va faire maintenant le cul de Artanis. Hein. Enfin, on va faire le cul de Artanis, d'accord. On va chercher à infliger masse dégâts, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. On va faire le cul de Artanis. Tout va bien. Ouah, ouah, ouah. Ok. Allez, nice, on dirait qu'on a gagné un petit moment de répit. Bim bam boum. Tout va bien. Ensemble, nous sommes puissants. Comment peut-on savoir ce qu'ils veulent dire? Niquer avec le sanctuaire implique davantage que lire dans les gravures. Chaque atome de la pierre a été placé avec une intention dans un but précis. Ouais mec, c'est bon quoi. C'est juste des pierres, hein. Te prends pas la tête. Une art que les Xel'Naga ont commencé à répandre la vie dans l'univers. Ok. Ils ont créé, au même titre que les innombrables brassages de races auxquels ils ont donné naissance dans d'autres univers. Ils analysent. Donc ça c'est toujours les Xel'Naga. Moi je pensais que c'était les Zerg. Non, c'est les Xel'Naga. Ok. Sans jamais interférer. Ok. Constitué de deux races destinées à émerger. La pureté d'essence d'une part, les Protoss. La plupart des grands changements. Donc les Protoss.
l'autre, la pureté. Ah non, les zergs, capables de changement, les zergs, et puis la pureté de la forme, les protos. Voilà. En gros, t'as les zergs et les protos. Ça, c'est, il explique les zergs et les protos. En fait, c'est le schéma classique d'Exelnaga, quoi. Les zergs et les protos, il le dit. Là. Bah, c'est la mère de l'essence. Tout ce que nous pensions dû au Xel'Naga, tout cela n'était qu'un mensonge. Arrête, Artanis, nous allons bientôt avoir des réponses. Genre, Kerrigan, arrête ta gueule, Artanis, tu racontes n'importe quoi. Cool. Attends, les portes sont ouvertes. Les assemblages détruits. Quelque chose ne va pas. Ah ouais, d'accord. Vite. Ouais, ouais. Bah, dépêche-toi alors. Go. Nous vaincrons. Le doute doit s'effacer. Au sanctuaire. Sanctuaire détruit dans 6 minutes. Ah ouais, d'accord. Vite. Allez, le hit and run qui fait du bien. Wow, Kerrigan, tu... Kerrigan qui s'est fait défoncer par le rayon. Genre très bien. Oh. Ça va, ça se passe, on arrive à ne pas trop se faire défoncer par le rayon. Tout va bien. Merde. Non, merde, 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 avance, 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 avance. L'unité fait la force. Ouais, l'union fait la force, hein, en Belgique, mais bon. Pareil. Je parie que le dernier fragment est par là. Non, enfin, la dernière relique Xel'Naga, normal. Ok, notre avenir est d'être unis dans le vide. Normal. Tout va bien. Xel'Naga qui pète un câble. Allez, 3 minutes. Pour Zeratul, ah ouais. Et on kite. Voilà, facile. Fais ton truc de sanctuaire. Tes dieux ont des réponses à nous donner. Ouais. Alors. Sombrait, puisse se reformer. Voyons. À l'arrivée des deux races. Ah ouais, donc il faut que Kerrigan et Artanis soient là en fait. Vie pour transférer leur essence. Oh non, c'est pas vrai. Les esprits naîtront sous forme de Xel'Naga, gardien du socle éternel. Ok, donc en fait là il est en train d'annoncer que Zeratul et Kerrigan doivent se sacrifier et doivent mourir
pour pouvoir faire renaître les Xel'Naga. Entrons dans la chambre de l'ascension. Ok. Oh. Ah, cinématique. C'est classe quand même cette manière de s'éclairer quoi. Oh, c'est moche en fait un Xel'Naga. Non. Ils sont morts, Arthanis. En fait, on dirait un Overmind. On dirait un Cérébrat. On dirait un Cérébrat. Trop laid. Calme-toi, Arthanis, c'est pas la peine. Bon, j'ai pas... Putain, j'ai pas fait assez de dégâts. J'ai fait combien? Ok, j'ai fait 5000 points de dégâts. Et j'ai tué 74 unités avec les chambres. J'avais dit que j'allais faire une des deux... un des deux au fait. Bon. Résurgence activée 0 fois. C'est bien ça, 0 fois. Allez, bah du coup, je ferai ça plus tard, hein, dans un... Tout seul. Hein. Je recommencerai cette mission spécifiquement pour faire juste au fait. Puis voilà. Je ferai sprint, sprint, meurt, sprint, meurt, sprint, meurt, sprint, meurt. Et puis après, je ferai bon. J'en ai tué assez. Voilà. Loading screen type, hein, toujours. Ah, re-cinématique. Wow. Oh. Qu'elle danse pour rien, quoi. Je ne viens pas en ennemi. Genre. Allez, tiens, dans la stase. Excellent. De sombres énergies s'en échappent et elles consumeront votre précieux chef, ainsi que tous ceux qui sont pour Saramon. Je peux vous guider à Arthanis avant que le pire ne se produise. Si nous faisons preuve d'audace, nous pourrons mettre un terme à l'assaut du dieu noir. Devrais-je croire que votre lame ne sera pas fichée entre mes omoplates? À l'instant où vous serez libre. Vous gaspillez votre temps. Regardez, je me libère sans problème de votre stase. Amon a trahi mon peuple. Vengeance sera faite pour cet affront. Et si votre hiérarque survit, il vous y aidera. Prenez une décision. Wow, chaud.
Ok. Au noyau solaire pour la configurer. D'accord, mais d'abord on va avoir à la commanderie. Nouvelle conversation. Ah. T'as l'air complètement au bout de ta vie, toi. Ah non, ça, bah, c'est parce que c'est Amon. Ah ouais, là c'est sûr, on l'a trouvé. Toutes les choses de la vie, il vous a vu naître. Il vous verra mourir. D'accord. Putain, elle sort sa lame toutes les deux secondes, elle, hein. Vous cherchez dans ces salles vides. Vous ne trouverez rien d'autre que la vérité sur l'échec d'Exelmeda. Ouais, ça on a vu, ils sont morts. Eh ben on n'en veut pas. Ah ouais, d'accord. Ah là. Bon, ok. Le Tadarin est venu avec ses guerriers. Peut-être que sa présence est quelque chose de bon tout compte fait. Ouais. Donc lui on le laisse en centurion. On s'en fout qu'il reste, quoi. Enfin ouais, oui c'est bien qu'il reste, mais... Mieux vaut la charge et le stun, quoi. La charge et le stun, c'est tellement abusé. Le tracker, c'est... Ah, c'est... Quelle est notre destination ? Crée une silhouette qui augmente les dégâts subis par les unités qu'elle touche. Oh, putain, non, quoi. Ah ouais, c'est l'adepte. Juste. Ah bon, c'est soit le tracker, soit l'adepte ? Ah, ok. Parce que dans le ladder, ça sera pas du tout ça. C'est le tracker et l'adepte, c'est deux trucs différents. Non, on reste en tracker, hein. Ouais, j'avais pris le tracker, pas le dragon. Alors, le vengeur. Ah, nouveau truc. Le chasseur de sang. Incapable. Incapacite les unités, les bâtiments ennemis. Oh putain, on s'en fout d'incapaciter les bâtiments, quoi. Vive le raise, quoi. Clairement, le fait de raise. C'est énorme, quoi. D'ailleurs, je me demande, il reste instant. Parce qu'en fait, je le fais, mais je sais pas comment. Il reste instant ? Ah oui, il reste instant, ok. Mais. C'est vrai qu'avoir les deux qui restent. Avoir et les Dark Templars et les Zélotes qui restent. Ah ouais, il reste sur place en plus. Faut voir s'il y a un CD. Avec une fois toutes les 120 secondes. Ouais, d'accord, c'est de la merde. Et ça, c'est rappel d'urgence. Ah oui, cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 60 secondes. Ah oui, c'est ça que parfois j'en perds. D'accord. L'annihilateur, lui, c'est bon, on garde ça comme ça. La sentinelle, on garde ça comme ça. Et le phénix, on garde ça comme ça. Ok. Noyau solaire. Petite discussion. La clé Xel'Naga s'est mise à absorber l'énergie du vide à un rythme sans précédent. Ok. Et ça correspond à quoi ? C'est la merde ou pas ? Devient plus dangereuse à chaque instant. Ok, donc c'est la mer. Confiance en lui, mais les données confirment son hypothèse. Un portail a été ouvert vers le vide. Avons-nous un moyen de localiser Artanis ? Non. Non. Pratiquement aveugle. Alors nous devons avoir foi en ce Tal'Darim. Même si cela... Mais ouais, c'est chiant d'avoir foi en un Tal'Darim, hein. Et ouais. Alors, ici, rappel en masse. Déporte instantanément toutes les unités alliées. Ouais. Vers votre nexus principal. Protège toutes les unités téléportées avec une barrière qui absorbe jusqu'à 200 points de dégâts. Ouais, c'est pas mal. Alors ça c'est quoi ? C'est confère instantanément une barrière à toutes les unités qui... Ouais, donc ça TP pas, mais c'est un gros bouclier. Et ça c'est... Déploie Phoenix sur le champ de bataille. Oh, nice. Attaque ensuite librement et peut utiliser tourbillon, charge... Condensateur. Phoenix quitte le champ de bataille après 30 secondes. Oh putain, c'est vrai. C'est chiant qu'il quitte le combat. Genre, moi je veux le garder, tu vois. Et donc, ça c'est quoi ? C'est mitraille la zone, tire 3 coups qui inflige 200 points de dégâts. Ouais, non. Ouais, bah rappel de masse. Ah non, c'est quoi ? Recharge de bouclier. Augmente la régénération de bouclier des unités de bâtiments Protoss. Le bouclier Protoss ne se régénère qu'hors de combat. Normal. On met ça à full, hein. Allez hop, comme ça, c'est bon, il se régénère de 20%, 20% plus rapidement. Et rappel en masse, tout ça. Ouais, bah c'est bon comme ça. Et avant de lancer la mission
Donc secours de secours d'Artanis. N'a apparemment pas conscience du danger qui se referme sur lui. Donc allez. Sauf envoyez vos coordonnées sans tarder. Et donc pour débloquer les Hauts Templiers et donc la mission suivante, on se retrouve tout de suite après la pause. Donc 3 petites minutes. N'hésitez pas à aller chercher un coup à bois, allez, je sais pas, faire un AFK bio ou quoi. On se retrouve dans 3 petites minutes. YouTube, prochaine vidéo, hein, comme d'hab. À mon avis, ce sera à demain. Sauf si on est vendredi, à demain. Et d'ici là, jouez bien, ne lâchez rien, tout ça. À dans 3 minutes.